Donc l'Alliance française est installée dans ces lieux depuis à peu près 25 ans, hein, 24 ans. Et ce sont des lieux tout à fait typiques de la ville de Venise. Ce sont donc des casinos. Casino, ça veut dire petite maison. Hein. Casa, c'est la maison et ino, c'est le diminutif. Et ces petites maisons étaient utilisées par les familles nobles au XVIIIe parce qu'elles étaient justement beaucoup plus petites, plus faciles à chauffer. Hein, pour accueillir leurs amis ou enfin accueillir des gens. Et c'était des lieux de rencontre essentiellement, mais pas simplement des lieux de rencontre libertines comme beaucoup le pensent, mais également comme un club. Hein, des lieux où on se retrouvait avant, après le théâtre, où on discutait politique, où on jouait aussi à des jeux d'argent, ce qui était interdit. Et éventuellement, au XVIIIe siècle libertin, il y avait d'autres rencontres, mais c'était avant tout donc des clubs. Et donc celui-ci appartenait à une femme, à la procuratesse Vénière, et donc la femme du procureur, et il est resté pratiquement intact. Et ça, c'est véritablement rare, puisque à Venise, il y en avait à peu près une centaine, et il n'en reste que trois ou quatre, dont le nôtre est celui qui a été restauré justement au Palazzetto, par Madame Bru, au Palazzetto Bruzzane. Il a véritablement conservé son allure d'autrefois, donc avec des sols magnifiques en marqueterie de marbre, avec des portes qui sont restées en l'état, en bois massif. Enfin, et tous les stucs roses et vert pâle, hein, qui sont les couleurs des palais vénitiens. Voilà. Et donc, l'Alliance est dans ces lieux pour ses activités culturelles, c'est magnifique. On y fait également nos cours. Hein. Il y a deux curiosités dans le casino Vénière, c'est comme cela qu'on l'appelle. Deux curiosités qui plaisent beaucoup à tous les touristes qui passent. C'est d'une part le petit carreau qui s'enlève sur le sol dans la pièce principale, et donc il y a un trou qui permet de voir en dessous les gens qui sonnaient à la porte. Et donc éventuellement la police qui pouvait arriver parce qu'il y avait des jeux d'argent, ou alors pourquoi pas la légende dit le mari jaloux, l'amant bafoué, etc. Et puis l'autre curiosité, c'est que les musiciens étaient accompagnés, donc les rencontres, mais ils étaient cachés dans un couloir où ils chantaient et la voix sortait par deux grilles. Donc c'était une sorte de chenifie de l'époque. Les voix sortaient par les grilles et donc on avait une atmosphère musicale à l'intérieur du casino sans que l'on voie les musiciens, qui n'étaient pas considérés comme des artistes mais comme des gens de service. Voilà. Et ce sont les deux curiosités de ce petit palais. Une Alliance française, c'est une association culturelle italo-française si on est en Italie. Et donc ce qu'on cherche, c'est des activités qui puissent intéresser le public italien, mais également les Français qui habitent à Venise. Et à Venise, il y a quand même de plus en plus de Français. On essaye de proposer des activités un peu dans tous les domaines. Donc, on a une projection de films tous les 15 jours dans nos lieux. On a des conférences. Alors, si ce sont des noms importants, on essaye toujours de les faire avec d'autres partenaires dans la ville. Mais parfois, on fait ça aussi dans nos lieux, avec un peu moins de personnes, parce que, bon, vous avez vu, on est dans un lieu qui est magique, qui est magnifique, mais qui est petit. Mais de ce fait, même quand on est moins nombreux, c'est une autre atmosphère. Et c'est vrai qu'on a eu des discussions et des rencontres littéraires assez agréables dans ce casino. On a également une activité d'exposition. On essaye d'ouvrir nos portes à des artistes, ou bien des artistes français ou francophones, ou bien des artistes étrangers, mais dont le thème serait la France. Hein, donc on a accueilli une artiste américaine, par exemple, qui avait de très très jolis tableaux sur la Provence. Et en musique, c'est un peu plus rare, parce que dans nos lieux, on ne peut pas accueillir de piano, mais on a quand même eu, par exemple, des concerts de harpe, de violon,
Donc on essaye un petit peu d'ouvrir dans tous les domaines de la culture. Voilà.